Alors, pas d'aplomb, légèrement traversé. On repart en désordre. 6. Une bonne activité, mais sur les épaules. 6. Bonne cadence. 7, manque un peu de pli. 6, transition insuffisante. 6. 5, 4 pistes, pas sur la ligne. 4, résiste, galope. 6, manque un peu d'amplitude. 7, bonne activité. 7, départ hésitant. 5, résiste, peu d'amplitude. 5, charge, pas en équilibre. 4, change de pied. Et 4, en deux temps. 6, manque d'incurvation. 7, transition un peu difficile. 5, mal dessiné. 4, change de pied. Et 6, traversé. 4, sans ferme, charge. 5, pas en équilibre. Olivier Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors, le petit nouveau du Grand National de concours complet sur l'édition 2012. Premier engagement sur le Grand National, première participation sur ce nouveau circuit. Comment s'est passé votre arrivée au sein de l'écurie Merial Pays de la Loire, aux côtés de Jean Teller, quand même le champion du monde, avec qui vous faites équipe? Ça a été un petit peu rapide, puisque c'était pas attendu. Et en fait, Jean se retrouvait dans cette équipe-là l'an dernier avec Olivier Faro, qui n'avait pas cette année de cheval en fait sur ce niveau d'épreuve. Donc du coup, Olivier étant un ami et Jean aussi depuis longue date, du coup, m'a proposé en fait de faire coéquipier avec lui sur cette saison, sachant que j'engageais à Tartas en début de saison aujourd'hui.
Donc vous bénéficiez de ses conseils, il vous aide un peu, il vous suit tout au long de ce week-end, notamment pour l'épreuve de cross. Oui, on a fait la reconnaissance de cross hier, donc ça a été très intéressant parce que c'est sûr que faire la reconnaissance avec Jean Teller sur ce niveau d'épreuve-là, c'est toujours instructif j'ai essayé d'être très attentif à ce qu'il m'a dit et de suivre à la lettre, on va essayer de suivre à la lettre demain ses consignes. Voilà, donc c'est l'expérience fait que c'est sûr que c'est une expérience intéressante et enrichissante pour moi. Maintenant, parlez-nous un petit peu de votre cheval qui débute à ce niveau d'épreuve. Oui. Et votre prise de dressage que vous venez de réaliser. Eh bien, la reprise de dressage a été assez difficile. Dans son ensemble, le cheval était très chaud. Onyx, c'est un cheval un petit peu irrégulier dans son comportement. Il y a des choses qu'il peut faire très bien et sereinement. Et puis, par moments, on ne sait pas pourquoi, il va monter en pression et se contracter fort. Du coup, c'est vrai que les mouvements, il les a de manière individuelle, en fait, sans enchaîner. Mais là, la difficulté de cette reprise-là et l'enchaînement des figures qui alourdissent et la tension du cheval et puis qui demande un relâchement et une attention très importante. Et ça n'a pas été le cas d'Onyx aujourd'hui, qui a encore du mal sur les enchaînements de figures à faire quelque chose de propre. Mais bon, c'est sa première à ce niveau-là. Les changements de pied il y a 6 mois, c'était pas du tout de son fait. Donc du coup, là en ce moment, il a le déclic. Mais c'est vrai que il est à l'affût en fait du moindre changement de direction qui lui permettrait de changer de pied. Donc pour l'instant, la difficulté maintenant va être un peu de l'assagir, de le rendre un peu plus serein, plus dans mes rênes et dans mes jambes pour qu'il soit davantage droit et puis qui respecte un peu plus un équilibre plus adéquat en fait à ce qu'on lui demande dans cette reprise, quoi. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et alors un dernier petit mot, vous avez reconnu le cross, vous venez de nous le dire avec Jean Teller. Ouais. Comment trouvez-vous le parcours? Quelles sont les difficultés? Le parcours est massif, très intéressant parce qu'il demande des chevaux francs et à la fois ce qui est intéressant avec Tartas en début de saison, c'est que c'est quand même les difficultés sont progressives et en même temps très claires. Je trouve que le parcours est bien construit et les difficultés sont pour les chevaux très claires. Donc à partir du moment où on passe dans les trajectoires qu'on a prévues et sur les contrats de foulée voulus, je pense qu'il y a il y a beaucoup de chances pour que ça se passe bien. Maintenant, après, on n'est pas à l'affût d'un problème et on va essayer de faire en sorte de faire bien et d'appliquer ce qu'on a dit avec Jean hier. Bien, parfait. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, bonne chance pour la suite. C'est gentil, merci.